Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve dans la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Alors, je me souviens plus trop ce qu'on avait fait et ce qu'on devait faire, mais on va tout de suite aller voir ça en jeu, puisqu'il y a des gens qui veulent nous parler. Et on commence avec notre chère Astrid. Tu as peut-être déjà remarqué, mais Alice, eh bien... Elle semble avoir de la difficulté à se déplacer, non? Je pense qu'elle ne peut plus utiliser les escaliers. Je ne suis pas certaine qu'elle te l'a dit, mais je crois qu'elle est prise là-haut. Tu pourras peut-être déplacer sa maison et même le pont? Je suis sûre que ça l'aiderait. Effectivement. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Et ne sois pas fâchée contre moi, Pitchounette, j'ai pêché un peu quand tu regardais pas. Et elle nous donne du poisson. Alors, on m'a signalé dans les commentaires que, effectivement, je n'allais jamais au banc de poissons, tout simplement parce que je suis une... Je vous irai pas jusqu'à dire nulle, mais oui, je suis pas très douée avec la pêche. Quelque chose, c'est probablement mon activité que j'aime le moins. Je peux pas te mettre là. Ah oui, parce qu'il y a deux bâtiments. Je peux te mettre en place du verger du coup. Et du coup effectivement je ne fais jamais de pêche. Non, ça m'arrange pas tout ça. Est-ce que je peux faire ça un peu mieux? Pas forcément. Voilà, ça c'est fait. Donc on est avec Francis. Je vais peut-être activer Francis avant qu'on y aille. Je sais plus si on l'avait fait. Donc c'est notre jour de chance. Il a une nouvelle course. Comme d'habitude. On peut acheter. Je pense que j'avais dû déjà acheter. Non, même pas. J'ai des choses à vendre. Et au niveau des courses. 10 de fil de laine, 10 de fil de lin contre un cap de métal. C'est pas mal. Le reste, il faut que je cuisine. Ça, c'est pas mal non plus. C'est quand même 12 de tissu nébuleuse, c'est un peu cher. Graines de thé, on croule dessous, donc on va pas le faire. Et le reste, c'est pareil. On va aller voir ce qu'Alice a à nous. Bah non, ça peut pas être Alice là. Bah si, pourtant. Eugène, où es-tu? Oh, c'est toi. As-tu vu Eugène? Il doit être dans le garage encore. Lorsque tu le verras, peux-tu lui demander de me rapporter ma vieille laine? Le temps se rafraîchit. Je pense que Eugène est son conjoint. Et on n'a pas de Eugène sur ce bateau. Donc, il va déjà faire nuit. Qu'est-ce qu'on a à faire? Améliorer la maison d'Atul en ajoutant un cadre. Donner à Tulle du poulet frit. C'est tant bien. J'en avais dans la cuisine lorsque j'ai chargé la partie. On va pouvoir aller voir Alice le matin venu. Il faut qu'on trouve cette vieille laine. Bon compagnie, construire la galerie de Gustave, il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Donc il n'y a pas forcément de choses à venir faire ici. Quoique maintenant on a le pouvoir, on pourrait venir chercher le coffre à plan. Ça pourrait être une solution, avoir un petit coffre à plan en plus. Parce qu'on va pas pouvoir aller très loin avant que ce soit la nuit. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. On peut tondre nos moutons. Ah oui, j'ai un mouton qui se balade et qui a pas d'enclos. Chance, il fait du coup trop noir pour naviguer. On n'a même pas pu aller à Lundberg. Alors, il nous faudrait
un nouveau corail à mouton. Donc le corail à mouton, c'est 48 planches de chêne et 12 lingots de cuivre. Ça commence à faire cher. Il faut faire la galerie de Gustave. Il faut du fil de coton, du marbre et du verre. Fil de coton, le verre, je vais pouvoir faire. Le marbre, il faut en trouver. J'en ai du coton. Fil de laine, de lin, de nébuleuse, de lin, de nébuleuse. J'ai pas encore de coton. N'avais-je point des graines de coton quelque part? Ça, ce sont des pommes. Ça, c'est mon mouton. Ah, si, on va pouvoir faire notre première récolte de coton. Bon, 4 cotons, ça fait quand même pas beaucoup. On va faire du tournesol également. Et un petit peu de lin. Et du coup, j'ai mis mon jardin de l'autre côté, complètement loin. Hop. Plein de trucs de nouveau à vendre. Francis, tant pis. De toute façon, on sait que Francis nous poursuit, donc tout va bien. Ah oui, j'en ai plus du tout de graines étranges, j'aurais pu lui en racheter. C'est pas grave, je vais planter du fenouil. Ça sera très bien pour manger de toute façon. Donc, j'ai fait du poulet frit tout à l'heure et je dois pouvoir faire du poulet avec autre chose. Si je mets du poulet avec du grain, qu'obtient-on? On le verra. Donc on va pouvoir transformer tout notre coton. Ouh, il va recommencer à être un peu loin. Huit de coton, c'est pas mal. Est-ce que je l'ai mis en suivi du coup l'amélioration? Oui, donc il faut. Il nous faut encore du coton, on en a pas assez. Et le verre, on va pouvoir le mettre à la fonderie. La fonderie est là. Il nous faut de verre. De toute façon, il nous manque du marbre. Hein, donc, dans tous les cas, on a un souci. Il va falloir qu'on trouve du marbre. On va tranquillement s'occuper à crafter pendant la nuit. Encore un peu. Alors, est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse un tissu de laine? A-t-on un tissu de laine? Pour le voir là, on va pouvoir le voir ici si on a un tissu de laine. Tissu de nébuleuse, tissu de lin, tissu de laine. Donc en théorie, peut-être lui donner un tissu de laine. Ok, on a droit du mijoter. Le mijoté, il fallait quoi pour le faire, le mijoté? Mijoté. Mijoté du grain et de la viande. Ok, peu importe la viande. Hum.
Donc ici j'ai chopé un saumon bleu grâce à notre ami. Je dois pouvoir faire... Qu'est-ce que je fais d'ailleurs si je mets juste une pomme? J'ai droit de la confiture du fruit? Bonne question. Voilà, on est de nouveau suffisamment en journée pour que le bateau reprenne sa route. C'est parfait. D'ailleurs, je vois que ça fait longtemps que j'ai pas ramassé les coquilles qui sont sur mon bateau. Il y en a un petit paquet. Des fruits pochés, classique, mais pas encore le matin, je peux pas encore sonner la cloche. Et là, tant pis, je vais y aller sans eux. Et au moment où je dis ça, ça y est, passe le moment où il est l'heure de sonner la cloche. Donc ici, on vient voir deux choses. Graines de choux, des graines de coton. J'en prends des graines de coton. Du verre et du cap de métal. Ça va le faire. Alice nous dit qu'elle cuisinera peut-être pour nous plus tard. Et nous, c'est ça qu'on était venu chercher. Plan avec des améliorations du poulailler. Et on n'a pas de poulailler, bien évidemment. Ici, il y a un petit truc à récolter. Avec une fondue au bœuf. Parfait. Je peux pas grimper. C'est pas grave. Pas grave, hein. C'était pas très loin et ça valait le détour de toute façon. On va tout de suite se choisir une nouvelle destination. On pourrait choisir les caisses. Mais je pense qu'on va doucement aller par exemple à Boncomte et compagnie, puisqu'on sait qu'on a de l'histoire par là, et ça nous permettra de nous rapprocher de Albert le constructeur. Et voilà. On peut aider Alice. Mes vieilles jambes ne me supportent plus. Pourrais-tu peut-être m'aider à reprendre la peau, à me rendre à la peau? Oui, bien sûr. C'est par là la proue? C'est quel côté la proue? On dit une figure de proue, donc ça doit être de ce côté-là. J'ai l'estomac dans les talons. Ah bah oui, je peux vous nourrir. Bien sûr que je peux vous nourrir, les gens. Ah bah j'ai du dessert. On sait que tu aimes le dessert. Et d'ailleurs, je vais pouvoir donner à Atul son... porc. Poulet. Je suis déjà plus. Poulet. Bon, Comte et compagnie, c'est là. Spawned, c'est pas très loin, c'est là. Voilà, nous on veut aller là, bah, parfait. Ici ça sera pas mal. On passera peut-être voir Olga. Parfait, j'en profite parce que j'ai vu Atul. Où est passé où? Là. Et je te donne deux poulets grillés. Comment ça, non merci? Faut que je te le donne comme ça?
Oui, le service est incroyable sur ce bateau. Ce bâtiment a besoin de travaux. Je suis toujours partant pour un peu de do it yourself. J'espère que les autres apprécieront. Bah, le problème, c'est qu'ils apprécient pas tout le temps. Ici, on peut éventuellement parler à Summer. Voici quelques graines du champ que j'ai acheté pour toi. Un petit peu de coton. Par contre, c'était pas ça qu'il fallait pour ma quête. Donne à Atul du poulet frit. Bah. J'ai réussi à me planter et pas lui donner du poulet frit. Il me semble pourtant que c'était du poulet frit que j'ai fait et donné. Du poulet avec du poulet. Et du coup... je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour aller voir Albert. Je vais le tout de suite. Des lingots d'aluminium, du marbre. On n'a pas ce qu'il faut. Ici, on n'a pas ce qu'il faut. Et ici, on n'a pas ce qu'il faut. Ok, on n'a absolument pas ce qu'il faut pour aller voir Albert. On n'a pas planté de marbre. Ici. Mais moi je voudrais bien voir Olga récupérer ce qu'on a à récupérer. Alors je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, hein, donner le poulet. Donc forcément ils ont un peu faim. Voilà, je te donne des moules. Tu aimes les moules. Tu es le seul à aimer les moules, alors je te fais un câlin. Voilà, ça va déjà un peu mieux. C'est pas fifou, mais ça va un peu mieux. Ah, ici ça va. C'est quand même pas fifou. On a du courrier. Ah. Et on a Giovanni. Aurais-tu faim, Giovanni? Ça va. Bon, il se sent quand même un peu mieux. Donc on a reçu du courrier. Un colis bouffour à moi. Ah, c'est du poulet grillé. Il est pas frit, mon poulet. Ah, il me faut le concasseur. Faire de l'huile. On récolte ce qu'on a mis sur le dos d'Olga. On y remettra peut-être du marbre, hein, vu qu'on en a besoin. Je vais voir si on peut en mettre. Et si on peut en mettre, je crois qu'on va pas trop se poser de questions. On peut mettre du marbre. Donc on y va. On va le multiplier. Pour le reste, on va multiplier aussi les lingots d'aluminium. Et les lingots de cuivre. Et du coup, on a fini. Allez, j'en profite, je suis là. Je ramasse 2-3 coquilles. Et t'es pas une coquille comme les autres, toi. Coquille d'huître. Parfait.
on va pouvoir aller ici. On se rappelle qu'on a quelqu'un perdu sur son radeau. Et que, gentiment, on va lui donner une lettre et non pas l'aider. J'ai cru voir qu'il y avait besoin d'eau par là. J'ai même oublié de planter quelque chose ici. C'est plutôt calme. Je vais quand même voir ce que je peux cuisiner. Ouais, pour l'instant les fruits, il me faudrait de la farine pour pouvoir les cuisiner avec autre chose. J'ai plein de poireaux. Ça va me faire une salade de grains. Allez, allons-y pour ça. Juste ici! Jetterais-tu un coup d'œil à ça? Tu étais capable de retrouver ma sœur au village. C'est incroyable. Est-ce qu'elle est fâchée? Ne me le dis pas. Si je survis, je suis sûre que ça en aura valu la peine. Merci encore. Je serais déjà sûrement au fond de l'océan sans ton aide et celle de ma sœur. On t'a quand même laissé sur ton putain de bout de bois en train de flotter. Hein. Je dirais rien. Hein. Ok, donc juste on se barre en te laissant sur ton bout de bois. D'accord. On te laisse sur ton bout de bois, mon gars. Et du coup, puisqu'on est ici, on va pouvoir emmener Summer au seuil éternel. Et on va peut-être pouvoir aider Alice. L'air de la mer est si bon. Une fois, ma fille Annie et moi avons fait une petite escapade à la mer. Ça a été une si belle journée. Oh, il y avait une photographie de cette journée dans l'enveloppe que tu as trouvée l'autre jour. Je l'ai juste ici. Regarde son habit. Toujours à la mode. Plus tard, ce jour-là, elle a perdu son chapeau dans un coup de vent, par contre. Quel dommage. Oh, es-tu prête à me ramener à la maison? Et on a donc gagné la tenue de plage d'Annie. Tu n'as pas remarqué que les autres avaient faim? Ah, j'ai loupé que les gens avaient faim! C'est pas impossible, on commence à voir pas mal de monde. Une tempête! Ah bah oui. D'ailleurs, est-ce que j'ai des petites fioles à ouvrir? Non, mais j'ai pas ouvert mon colis Bouforama. Putain, c'est trop les gars. Trop lent. Là. Oh, cette grande bateau. C'est pas toujours évident de voir. Et des fois je suis ultra lente.
Non, on n'aura pas. On n'aura pas les deux gros derniers. Tant pis, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire plein de thé. Je peux faire plein de café. Ça, c'est rapide à faire. Il faudrait du sucre. Pour l'instant, on n'en a pas. Il faudrait du lait. Pour l'instant, on n'a pas de vache. On a déjà du mal avec 3 moutons. Mais ça va venir, hein, petit à petit. C'est aussi fait pour se jouer sur la durée. On a de l'orage dehors. Ça y est, l'eau est rouge. Et Summer veut nous parler. Es-tu prête à partir? Merci. Voilà, on va y aller. J'ai vraiment cru que j'étais capable de lui tenir tête cette fois. Le dragon. J'étais certaine qu'il se calmait. Je pouvais l'entendre ronronner. Sa chaleur dans ma poitrine. Je suppose que je refais la même chose. Juste comme mon père. Le dragon est une bête. Indomptable, si je me rappelle correctement de ses mots. Soit tu choisis d'en prendre soin, soit tu l'abats. Oh! Qu'est-ce que Rose penserait de moi? Serait-elle fière? Aurait-elle honte? Je ne peux qu'imaginer ce qu'elle aurait fait à ma place. Mais je sais. Je sais ce qu'elle m'aurait dit. Elle m'aurait regardé droit dans les yeux. Ce regard perçant le voile qui me protège. Elle n'aurait pas dit un mot. Elle a toujours su. Elle savait que le dragon m'emporterait. Elle savait que j'essayais de l'aimer et non de le détester. M'aurait-elle jugé devant cet échec? Je n'ai jamais pu l'aimer, cette bête, Stella. C'était impossible. Je déteste ça. Mais ça fait partie de moi maintenant. Ça le sera pour toujours. Et si je veux quitter avec grâce, je dois l'accepter pour que c'est, pour ce que c'est maintenant. J'avais hâte de te donner beaucoup d'autres leçons. Tu as été une élève très douée, Stella. Je suis si fière de toi. Si fière de ton cœur. Si fière de ton âme florissante. Je suis désolée de devoir te quitter. Tu devras apprendre par toi-même. Je ne doute pas que tu réussiras. La seule leçon que je puisse encore te donner est de te montrer de quoi tu es faite. D'une éphémère lumière stellaire. Nous ne sommes que les particules de pensée du vaste flux de conscience. C'est la dernière chose que je peux t'apprendre, Stella.
que toute chose change, que tout a une fin. Je suis si fière de toi, Stella. Et je sais que Rose le serait aussi. Merci pour tout. Et on a donc une nouvelle étoile dans le ciel, en forme de serpent. Et on se retrouve donc sur le bateau. Et Summer nous a laissé un petit cadeau. Sous forme d'une fleur d'esprit. Eh bien, c'est sur ce petit départ qu'on va se quitter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.